Salut à tous, et aujourd'hui on va parler son. Parce que j'aimerais bien modifier en fait cette petite chaîne Hi-Fi, voilà, elle est on va dire assez ancienne. Elle fait les 33-47 tours, lecteur disquette, CD, radio, enfin voilà, un truc normal on va dire. Par contre, ce qui serait cool, ce serait un petit peu plus sympa quand même, serait de pouvoir faire rentrer du son dedans pour pouvoir les ressortir directement sur les enceintes et pouvoir aussi pouvoir les contrôler depuis le panneau ici où il y a le volume avec l'équaliseur, quoi. Donc pour cela, on va déjà commencer par la démonte. Pendant que je démonte, je vais vous expliquer un peu le principe. Bon, déjà, un truc qui est pas mal avec ce genre de radio, c'est que tout est analogique. C'est-à-dire que ce qui sort de la platine vinyle, c'est du pur analogique, hein, parce que c'est un vinyle, quoi. Les cassettes, c'est pareil, bon, et sauf exception pour le lecteur CD. Mais disons qu'il y a sa propre carte son en interne qui ensuite va vers l'équaliseur ici, pour ensuite amplifier ou le son quoi. Et aussi devant on a des boutons de sélection donc pour choisir si on le mode 45 tours, le mode radio, le mode cassette, le mode CD. Et donc moi j'aimerais bien faire quand, par exemple j'appuie sur cassette, d'ailleurs c'est radio, j'appuie genre sur le bouton radio, et ça fait la radio. Et en même temps je peux sortir le son. Ce serait con parce que du coup il y aura la radio en boucle. Du coup il faut choisir quelle entrée on va prendre. Sachant que déjà que moi je me sers du 45 tours. Je vais le virer d'office. Le lecteur cassette, je n'ai aucune cassette déjà, donc pour moi c'est le choix de prédilection. Le petit souci, déjà c'est que je n'ai pas de cassette pour tester, mais j'en avais une à un moment. Le son est extrêmement bas. Le son est extrêmement bas depuis le lecteur cassette. C'est incompréhensible, je ne sais pas pourquoi. Sûrement un problème dans les contacts devant. Mais j'ai essayé de réparer ça, j'ai pas trouvé. Donc là vous voyez la face arrière de la chaîne Hi-Fi. Donc deuxième point aussi, le lecteur CD. Bon, disons que les CD aujourd'hui c'est plus trop ça, on va dire. Mais enfin, du coup, c'est ce que j'allais prendre au départ, mais le petit souci, c'est que si on ne reste pas appuyé sur le bouton de sélection de CD, le son est aussi extrêmement bas. La radio, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça ferait parasite avec le son qui rentrerait dedans. Du coup, je vais devoir me focaliser sur le 45 tours qui, lui, n'a aucun problème. Et du coup, je vais m'intercaler entre les deux. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton phono, donc pour les vinyles, quand je mets un vinyle, ça marchera. Mais aussi, lorsque je vais brancher mon son dessus, et ça marchera aussi. Ça fera les deux en même temps, à moitié parasite, mais du coup il faudra utiliser un des deux. Malheureusement. Donc pour démonter cette chaîne Hi-Fi ici, il faut enlever les vis sur les plaques des côtés, puis enlever les deux vis qui sont sur le devant du lecteur vinyle, et aussi quelques vis à l'arrière, pour détacher à la fois le lecteur vinyle et les plaques. Et les petites flèches ici pour vous indiquer qu'est-ce qui est par rapport au boîtier. Et voilà. Et pour finir, le lecteur 45 tours. Donc là, je vais devoir le débrancher. Pour le débrancher, en fait, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul fil, c'est celui-là. Voilà, il y a un connecteur dessus. Voilà. Donc, ici, là-dedans, passe à la fois les fils d'alimentation pour. Ici, passe à la fois les fils d'alimentation pour alimenter donc les moteurs pour faire tourner la platine. Et ici, dans le petit câble, ce sont la sortie son. Voilà, qui va sur donc la carte avec l'ampli qui se situe devant. Donc, on retire le lecteur platine, voilà. Là, par contre, il faut faire extrêmement gaffe avec le lecteur platine parce que c'est extrêmement fragile. À côté, le CD, c'est de la gnognotte. Donc, vous pouvez voir ici à peu près comment se situe la chaîne Hi-Fi. Donc, on a une plaque arrière pour protéger. C'est ici qu'on implantera les connecteurs pour le son. Ici, c'est la carte tuner. Voilà, ici, il y a un bout de l'antenne pour amplifier. Avec en même temps l'ampli qui se situe, les contrôleurs de l'ampli qui se situent devant en façade. Et en même temps, la partie ampli est là. Ici, vous voyez, il y a quatre petits bouts blancs. Ce sont les boutons de façade pour sélectionner le mode. Et ici, c'est l'entrée pour le 45 tours. Donc moi, le but, en fait, c'est de m'intercaler entre la platine vinyle et la façade. Donc en fait, je me branchais directement mes fils là-dedans. Voilà, dans ce connecteur. Genre, peut-être les souder ou se laisser à l'air si ça tient tout seul. Donc déjà, on va tester tout ça. Donc je vais allumer la chaîne, voilà. Donc là c'est la radio. Bah après, c'est qualité analogique, donc oui, c'est extrêmement dégueulasse par contre. Donc là maintenant, je vais tester le lecteur CD. Donc j'appuie sur CD. Voilà, donc le lecteur s'allume en dessous. Alors ce lecteur CD a aussi un problème, donc comme je disais, pour entendre le son plus fort. Donc comme je disais, il faut rester appuyé sur le bouton CD ici pour que le son soit plus amplifié. Donc là je vais monter un petit peu pour qu'on rende. Voilà. Là je suis quand même au 3/4. Hein. Ouvre les yeux. Voilà. Tu pars, arrive en retard.
La différence est significative quand même. Je sais pas si je me remets comme j'étais à peu près en mode radio. Voilà, c'est à peu près le même niveau de son. Et aussi, autre problème. Déjà, c'est que j'ai juste bougé un petit peu la chaîne. Elle est extrêmement sensible. En plus d'être extrêmement sensible, c'est le CD est un petit peu rayé. C'est même pas la peine d'essayer. Donc là, c'est vraiment un CD ultra neuf. Voilà. Donc voilà déjà un CD un peu plus rayé. Quand même. Je sais pas si vous voyez très bien, mais tant pis. Mais en tout cas, quand il va le lire, ça va être vraiment être une vaste blague. Que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Il serait notre amour éternel, que parfois l'homme, et voudrait que tu te ramènes devant, parce que je voudrais que tu te ramènes devant. Voilà. Ah si. Voilà, c'est un lecteur YouTube poupe en fait. Bref. Donc pour moi au départ je voulais virer ce lecteur et bon, tant pis. Hein. Il arrive quand même à lire des trucs donc ça passe. Donc ici nous avons la plaque d'alimentation directe de la chaîne. Et ici il y a la grosse platine CD qui sort. Je sais plus par où il sort le son mais voilà, par ici. Donc oui ça sort directement en analogique par la plaque. Donc on va donc faire des tests pour pouvoir y intégrer une entrée son. Donc à conseil, moi je prends par exemple deux petites pinces croco, voilà, d'oscilloscope. Voilà. Si je les prends en fait, c'est tout simplement parce que ici l'embout donc, qui normalement se met sur la sonde de l'oscilloscope est très fin et il rentre dans le connecteur. Donc je vais rentrer un dans la masse. On va pas le mettre sur la masse de l'alimentation qui est celui-ci, mais sur la masse de l'autre, donc du fil de son. Donc j'en ai un. Je le rentre dans le connecteur comme ça. Et le deuxième, donc normalement il y a un de droite, un gauche, un droite. Voilà. Donc maintenant je vais tout simplement prendre un câble RCA vers jack. Voilà. Donc je vais brancher à mon PC. Je vais donc venir lire une musique. Voilà, donc là le son sort de l'ordinateur. Je branche la prise jack. Donc, déjà je vais commencer par me mettre en mode vinyle. Sur la masse, la pince de masse, je vais me brancher sur le contour du fil, comme ceci. Et l'autre, il va venir au milieu. Donc, je vais monter le son. Et voilà. Le son est très très pauvre. Comment ça se fait que le son est aussi dégueu? Quand j'avais fait les tests, c'était pas aussi... Ah oui, c'est vrai. Enfin, non, c'est juste simplement que j'ai une des deux enceintes qui déconne. Ah bah c'est mieux là d'un coup. Bah voilà. On est bien là. Et voilà. Donc là c'est le PC hein, tout simplement. Là je vais changer, je vais mettre autre chose. Voilà comme ça vous êtes sûr que moi que c'est le PC. Donc après je peux régler le son depuis ici. Je peux régler la balance. Donc là j'ai branché qu'une des deux enceintes pour faire le test. Donc voilà. Et j'ai aussi un petit equalizer. Là aussi je peux régler les basses. Donc moi le but maintenant, je sais que le... maintenant que je sais que le son marche, que je peux faire entrer du son dans la chaîne, il va bien falloir que j'insère des fils dedans avec des connecteurs au bout. Donc pour ce faire, j'ai été à ma petite épicerie d'électronique préférée et j'ai tout simplement acheté du fil, voilà, donc de différentes couleurs. Donc j'ai pris du rouge, du blanc et du noir, voilà, pour avoir à peu près les mêmes couleurs que les prises, et une petite façade avec vis et boulon. Donc je vais débrancher tout ça et donc le but ça va être de percer dans la coque à peu près à ce niveau là. Donc déjà pour commencer à percer il va nous falloir un niveau, pouvoir faire des traits bien droits et propres, pour ensuite avoir des connecteurs bien droits et propres, ainsi qu'un crayon de bois, bon ça paraît évident. Hein. Je vais enlever les vis que j'avais mis là. Voilà. Donc là en fait j'ai deux méthodes pour poser la plaque, soit je la pose en surface, donc c'est à dire qu'on voit la plaque noire de l'extérieur, ça fait un peu moche. Soit on la place de l'intérieur, donc pour que ne sortent uniquement que les deux connecteurs. Voilà. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Voilà, ça c'est le niveau ici. Ouais. Lorsque ici la bulle est entre les deux traits, ça veut dire que c'est un niveau, donc c'est-à-dire que c'est plat. Donc de préférence avoir un critérium avec une pointe bien bien longue. Donc je vais placer mon truc sur les traits et aller au fond pour tracer. Donc on va bien vérifier les distances maintenant pour voir si on a bien tracé. Donc pour cela vous prenez
une règle ou un réglet, donc voilà. Vous mesurez la distance entre chaque point, par exemple entre les deux extrémités ici ou les deux du milieu, et vous vérifiez bien ici que c'est les bons. Donc là j'ai 4 trous à faire en tout. 2 trous de 0,4 et de 2 trous de 80, on va dire. Allez, cherche la verseuse. Donc je viens de mesurer l'écart entre les deux prises au milieu et les deux trous pour les vis. Enfin les diamètres de chaque trou, je veux dire. Ici nous avons 0,3 mm et ici nous avons 0,7. Et par précaution pour pouvoir faire rentrer. Pour pouvoir aussi y plonger le contour de la prise, je vais plutôt prendre une mèche de 8. Mèche de 3, mèche de 8. Donc pour ce faire, on va prendre la perceuse. Voilà. Je vais la resserrer un petit peu. Hein. Étant donné que c'est presque serré, je vais déjà mettre la mèche. Et je vais la tenir en même temps que je visse. Enfin que je resserre. Je la maintiens au centre pour pas qu'elle parte en vrille après. Pour qu'elle tourne droit. Parce que sinon c'est pas un trou de 3 que je vais avoir, mais un trou de 5. Ensuite je serre bien pour pas qu'elle parte toute seule. Donc là on peut voir que ça tourne bien droit. Hein. Là on peut voir donc que la mèche ne vrille pas, donc c'est bien. Et maintenant, c'est parti. Parfait. On va vérifier que c'est bon. Donc déjà niveau des vis, ça passe. Maintenant niveau des trous, parce que c'est bien écarté. Yes. C'est bien. Allez, maintenant on change de mèche. On passe à la mèche de 8. Donc celle-là, j'ai mal fixée et du coup, elle tourne pas droit. Voilà. Plus qu'à refaire. Pas droit ça, putain, mais comment ça se fait? Fait chier, putain. Vu que j'arrive à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mèche un poil plus petite, donc une mèche de 7. Voilà, c'est la taille du diamètre de la jack, enfin, du RCH, tu vois. Et évidemment, quand je la fais avec une autre mèche, ça part du premier coup, allez. C'est reparti. Oula. Petite astuce, si jamais vous galérez et que vous voyez que ça part dans tous les sens, vous prenez un tournevis et vous faites un trou au milieu de là où vous voulez percer. Comme ça, la mèche va bien s'intégrer. Dès le départ. Et ne partira pas en couille. Voilà. On va dire que c'est bon. Alors ça, c'est une mèche à béton. En fait là je suis en train de brûler le bois, parce que vu que ça frotte contre le truc ça va pas rentrer, mais du coup bah, ça brûle. Pff, oh là là, c'est même pas droit, c'est n'importe quoi, mais ça rentre. Ah oh, faut que je vous montre l'arrière, attention. Tada. Ouais, intérêt à polir ça. Bon là ça ressort pas beaucoup, mais c'est normal parce que vu que ça j'ai percé, du coup ça rebique à l'intérieur. Une fois que j'aurai enlevé la merde, ça passera mieux. Donc pour cela il va me falloir du papier de verre. Et un petit coup de spin sera le trait le bienvenu par contre aussi. Alors pour ça vous pouvez prendre du papier de verre ou alors un outil pour polir le bois. Voilà. Voilà. Apparemment je peux tout seul travailler. Je vais voir si avec une mèche de 7 c'est passé ou pas. Si c'est bon, ça rentre. C'est juste qu'il faut dépuceler le connecteur. Ah ça passe nickel. Impec. Bon bah étant donné que c'est pas droit. Du coup les trous que j'ai fait pour les vis c'est pas les bons. Du coup je dois recommencer mais dans l'autre sens. Comme ça moi c'est sûr. Donc par contre pour ça je dois m'y prendre de l'autre côté. Voilà voilà. Donc c'est parti pour visser maintenant. Ah donc tout con, donc vis, boulon d'arrière, voilà. Et voilà, c'est nickel. Je vais tester les connecteurs. Rien à redire, c'est impec. Bon maintenant c'est bien beau, on a fait la façade mais il faut bien les brancher les connecteurs. Donc maintenant on va prendre les fils puis les dénuder. Aux extrémités évidemment, sauf exception pour le fil noir qu'on va couper en deux parce qu'on va en avoir besoin. En longueur je suis large je pense, ça rentre même pas dans le cadre. 10 ça m'irait je dirais. Allez on est fou, 1m15. Donc, vous allez prendre soit une pince à dénuder, donc qu'on trouve un petit peu partout. Étant donné que moi j'ai plus la mienne, j'ai un truc, c'est con, voilà, c'est y a différents types de diamètres, vous coupez où vous voulez. Donc moi je vais prendre 0,2. Donc, rebonjour quelques jours plus tard.
Voilà. Parce qu'en fait, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Du coup, la vidéo s'est coupée. Étant donné que j'avais déjà fini le mode de la chaîne, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, que vous n'avez pas vu. Donc déjà, comme j'avais expliqué, j'avais dénudé donc les câbles. Ici, on peut les voir, ils sont moitié dénudés. Donc j'ai dénudé les câbles aux deux extrémités. Au niveau du connecteur, je les ai tous soudés. Voilà, histoire qu'ils tiennent bien et ils tiennent bien. Par contre, ici, je n'ai pas soudé parce que sinon, du coup, ça aurait créé un petit bouchon et on n'aurait pas pu brancher dans le connecteur de base. Et bah, du coup, ça tient, hein, dénudant un petit peu, voilà. Ah oui, et aussi, du coup, j'ai pas fait passer deux fils de masse. Voilà, là, il n'y en a qu'un seul. Par contre, ici, j'ai fait un petit pont. Voilà, comme ça relie les deux. Et ça marche très bien. Donc, là, je vais brancher la platine. Donc, je rebranche la chaîne à l'ordi. Et ce que je ne vous avais pas montré, c'est qu'il y avait une petite sécurité qui s'est produite, qui était fort inattendue. Donc là, c'est le son de l'ordi. Parce que je ne vous ai pas montré, c'était le test avec le 45 tours. Donc lorsque on met un 45 tours en route, vous entendez les cloches. Moi non plus. En fait, quand j'ai fait ce petit mode, peut-être entendre un petit peu là. Là, ce que vous entendez, en fait, c'est ce qui sort directement du vinyle, vu que c'est de l'analogique. Ce qu'il y a sur le support, c'est des boss, et du coup, ça crée des vibrations, donc de la musique un petit peu. Mais du coup, il a besoin d'être amplifié par la chaîne, parce qu'on n'entend rien. Et en fait, c'est lorsque l'on débranche les connecteurs jack, excusez-moi. Voilà, le son revient. Donc c'est bien, ça crée une petite sécurité en plus. Et dès que je branche, il n'y a plus rien. Après, tous les autres modes fonctionnent parfaitement bien, hein, comme d'habitude. Donc là, 45 tours, ordinateur, radio, YAX, voilà. Cassette, bon bah, hein. Et le CD, bah, ça reste le CD, quoi, bon, voilà. Bon, moi, j'ai rien de spécial à redire sur cette Unifi. Donc je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine.